les amis, bonjour la communauté, c'est le bon moment de vous présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons voir dans cette vidéo comment obtenir Ableton Live 11 en version light gratuitement et en toute légalité. Nous verrons ensuite comment télécharger et installer cette version gratuite d'Ableton Live. Et pour finir, nous verrons comment activer Ableton Live sur votre ordinateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est postée. C'est parti pour le tutoriel, allez checker dans la description sous la vidéo pour trouver le lien vers la page du produit. A noter qu'au moment où je tourne cette vidéo, Ableton Live 11 Lite est proposé gratuitement. J'espère que ce sera toujours le cas au moment où vous regarderez cette vidéo. Si toutefois vous arrivez trop tard, vous pourrez acheter ce produit à un prix relativement bas. Chargez la page du produit dans votre navigateur internet et descendez en bas de la page. Cliquez sur Giveaway et descendez un peu plus bas. Cliquez sur ce bouton d'achat pour accéder à la page d'inscription. Indiquez votre adresse email et cliquez sur le bouton pour valider. Le numéro de licence sera envoyé sur l'adresse email que vous avez indiquée, alors attention de ne pas faire d'erreur. Revenez maintenant sur la page du produit et remontez un peu. Cliquez sur le bouton Download pour télécharger le produit. Pour info, le fichier a une taille de 3 Go. Décompressez ensuite le fichier que vous avez téléchargé. De mon côté, c'est déjà fait. Nous allons maintenant procéder à l'installation du logiciel. Double-cliquez sur le fichier Ableton Live 11 Lite Installer.exe. Cliquez sur Install et attendez la suite de la procédure. Cliquez maintenant sur Next et cochez la case pour accepter les termes de la licence d'utilisation. Cliquez ensuite sur Next et choisissez le dossier où vous souhaitez installer Ableton. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur Next et cliquez sur Install. Attendez que le logiciel s'installe. Cette procédure prend quelques minutes. Ici, pour la vidéo, j'ai mis en vitesse rapide. Cliquez maintenant sur le bouton de fin d'installation et cliquez ensuite sur le bouton pour fermer le programme d'installation du logiciel. Il faut maintenant lancer Ableton en utilisant soit le raccourci qui se trouve dans le menu démarrer de Windows ou soit en passant par l'explorateur de fichiers et en double-cliquant sur le fichier Ableton Live 11 Lite.exe. Quand vous allez ouvrir Ableton pour la première fois, il vous sera demandé d'activer votre licence. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Autoriser avec Ableton.com ». Sur le store Ableton.com, vous devrez créer un compte ou bien vous connecter si vous avez déjà un compte. Une fois connecté sur votre compte Ableton, vous devrez enregistrer votre numéro de licence que vous avez reçu sur votre adresse email et cliquer sur « Envoyer ». Une fois que c'est fait, vous devez arriver sur cette page. Dans la fenêtre du dessus, cliquez sur « Ouvrir Ableton Live 11 Lite ». Attendez que le logiciel active votre licence et ensuite vous pourrez utiliser Ableton Live 11 Lite. Voilà, c'est maintenant terminé pour ce tutoriel. J'espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu pour me le faire savoir. Dites-moi également dans les commentaires si vous êtes intéressé par des tutoriels sur l'utilisation d'Ableton Live. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!